Salut à tous. Eh ben, comme vous appelez votre titre, on se retrouve à nouveau sur The Last of Us 2. Donc là, du coup, quatrième let's play. Et ça va être chaud. Parce que j'ai eu le malheur de faire une sauvegarde auto là où il fallait pas. C'est magnifique. J'ai relancé avant, je me suis fait déboîter en 2 secondes. En fait, je suis au début d'une horde. La classe, quoi. Magnifique. Bon, désolé hein, pour le coup, il n'y a pas de stream. Hein. Bon, je vais faire attention parce qu'ils arrivent de partout. Donc, comme je disais, bah, il n'y aura pas de stream. Simplement parce que la connexion pour l'instant ne le permet plus. Ah, c'est chaotique aujourd'hui, c'est waouh. Pour une fois que j'ai un week-end que le jeu débarque juste avant, impossible de streamer, y a rien à faire. Pff, laisse tomber, c'est une misère quand même. Oh. Oh, coucou toi. Alors, je sais pas pour vous, moi ça me rappelle beaucoup Days Gone, tu vois. Tous les zombies au cul comme ça. Bon, y'en a pas autant, hein, ça c'est clair. Oh. Ah, c'est pas le coup. Enfin là il n'y en a pas beaucoup, mais sur le haut, si jamais tu restes au même endroit, t'en as bien facile une trentaine hein, sur la pointe. Facile. Je sais pas si j'ai bien fait d'aller là. T'as cassé deux clés, hein. Oh putain. Et je me répète à sa place. Là, faites pas le coup! Ouf, je le sens pas. Comme ça, peut-être? Ouah, nickel. Oh, les manches! Ah, vous faites quoi? Oh, putain! Vas-y, mon foiré, toujours l'autre la patate à travers, quoi. Ah, bah, c'était chaud. Oh! J'y crois pas. N'importe quoi. Merde, c'est pas bon. Faites pas le coup! Ils vont forcer à les tuer. Vas-y, mais esquive. Qu'est-ce qu'il fait? T'es la seule à me revenir. Ok, d'accord. Bon bah, ça devait arriver, hein. N'importe quoi. Genre, mais l'autre il bouge trop vite. Par contre, ça c'est dommage, tu vois. Parce que le gameplay n'a strictement pas évolué depuis le premier The Last, et même avec l'Uncharted, hein, ils ont un mal fou à te rendre un gameplay qui soit quand même vraiment facile à jouer et manette en main, quoi. C'est-à-dire que tu tournes ton stick, tu dois pouvoir shooter facilement. Non, non, là c'est toujours aussi mou, alors que les zombies ils bougent 3 fois plus que dans le premier. Bon, 3 fois plus, façon de parler, hein, évidemment. C'est pas non plus à ce niveau-là quand même. Oh, bon, tu es d'accord, c'était du sang en fait. Oh, le con. C'est marrant, ça me rappelle aussi à The Walking Dead, tu vois. Le grillage que ça, avec les zombies, pas de sauter dessus. Toi, tu m'as piqué un truc. Hmm.
Excellent quoi. L'important c'est de se casser d'ici. Si on sort par derrière, peut-être moyen de l'arbre de chalet. Elle a été sauvée par ceux qu'elle recherche. Il a la voix de quelqu'un. Qu'est-ce que je connais les... Ouais, ça, dans The Walking Dead aussi. Hein. Comment il s'appelait Oh putain, il peut ça, ah non. Ah, il a le cerveau, hein. C'est un truc de fou, ça. Ça pique la tête, ça. T'as c'est quoi? Je me rappelle pas son nom. Comment c'est T'as un deuxième flic là, Yarick, et puis le deuxième, je sais plus, hein. Je sais plus de sa femme et de son gosse. Ah, faites pas le con. Mais non. Mais non, n'importe quoi. Genre le sang qu'il faut 20 ans quoi. Mais n'importe quoi, sans déconner quoi. Mais t'as fait une trousse de secours 20 ans pour l'activer. Non, mais c'est bon quoi. Mytho. Putain, tout ça parce que j'ai tardé à faire mon feignant là. Faut la mettre quoi. Ah, fait chier. Casse-toi, t'as pas dans le dos là, mytho. Bah, tu m'as à peine touché, t'y a plus de vie. Attends. Ah, c'est n'importe quoi là.
Ah, ah merde. Moi aussi ils peuvent se faire... Oh putain. Ah, ça va être la misère. Eux aussi ils peuvent se faire bouffer quoi. Laisse tomber. Ah, ça va être beau. Ouais, il faut là-bas, il faut là-bas. Oh, t'es en montagne là? Putain, il y a une barre de fer avant que je suis pas arrivé. Ah non, pas déjà! Oh! Bah, n'importe quoi! Genre, la première fois, ça se passait super bien jusqu'à ce que je meure. Genre là, il meurt d'entrée. Attends, n'importe quoi! Ça va être the fuck là, les gars. Ah, ok, d'accord, attends pour vous. C'est moi qui ai pas tilté qu'il fallait sauter. Oh, le coup, je croyais qu'on est pour une nacelle en fait. Le boulet. Désolé, Joël, c'est pas ma faute. Hein. C'est pas moi. C'est elle que j'ai vu. Oh! Je suis tartine, les pépères. Hein. Ça s'appelle son petit nom, c'était Chêne. Et voilà, je sais bien que ça reviendrait là. Et celle-là? J'avais 12 ans. J'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ah bah bien. Très malin ça. Mais ça doit faire mal. Hein. J'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... Non, en fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe! T'es chiante. Quoi? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde? T'as entendu? Jessie? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord? Tout va bien? Non, non, attends deux minutes! Hé, hey, retourne-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu Putain, fous? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed? Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être entrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok? Ok.
Merci. Ouais. Je peux te parler une seconde? Vous voulez qu'on décèle vos chevaux? Non, on va pas s'incruster. On partira déjà avec le truc. On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité? Où t'étais passé, merde. Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, c'est dit? Vous êtes là depuis longtemps? Non, depuis hier. Hier? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin? Rien, faites passer. Et vous, vous habitez par ici? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on connaît. Ah la vache! Allez, pauvre. C'est bon. Il est HS. Mettez-le contre la vitre. Tommy! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez! D'accord. C'est pas ce que tu veux, toi, tu tires dessus, tu veux te soigner là. Pfff. Kness. Oh, qui c'est qui a insulté, c'est pas bien. Oh, ça sent pas bon ça. Il va quand même pas découper les jambes. Écartez-vous. Non. Ma salope. T'es vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite? Oh la vache. Putain. Et j'ai mal pour lui, sans déconner. J'aimerais pas être à sa place. Hein. Putain, ce qu'il est en train de manger, quoi. Je crois pas que ça va nous entendre là, qu'est-ce que tu fais? On va descendre? Mais ça fait un peu quand même. T'es vivant. Oh. On va pouvoir s'infiltrer? Non? Si, eh ben si. Okay, j'y suis. Joël? Tommy? Non, on a l'appelé. Là, c'est remarqué. Oh, comme par hasard, ça ouvre. Oh, excellent, trop facile.
Ouh, ça crie. Est-ce que ça vient? Non mais je suis en mode accroupi, tu vois, c'est pour pas se faire repérer. On ouvre une porte doucement. S'ils auraient cassé le poignet. Oh, je déconne, ça fait mal, faites pas le con. Franchement, ça reste quand même hyper détaillé et magnifique, ça y a pas photo. Ah, ce qu'il manque, il manque deux choses, qu'il fasse sauter le filtre de grain, bon qu'on voit, qu'on verra pas en vidéo du coup, hein, parce que ça se voit quasi peu quand même, hein. En tout cas dans ce genre de situation, par contre en plein soleil, sur la neige, on le voit bien. Fais ça, et puis qu'il monte un peu la résolution d'écran, et franchement ce sera super nickel quoi. Bon, faut attendre la PS5 quoi, en gros. Mais franchement, je pense que sur la PS5, ça va être une sacrée claque. Il n'y a pas de raison. Donc moi, à mon avis, je vais faire la première difficulté que je suis en train de faire là. Donc, enfin, la difficulté moyenne sur la PS4. Et je vais pas continuer le jeu après. Je pense que j'en profiterai justement sur le passage de la PS5 pour le faire en survivant, tout ça. Faire le platine, quoi. En gros. Coincez-la! Lâchez-moi! Vite ses mains! Lâchez-moi, putain! Salope! Arrête, ça suffit! Ok, lâchez-moi! Toi, je vais te crever! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-le! C'est qui ça? Laissez-le. Elle s'est infiltrée! Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait! Vous êtes con ou quoi? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël! Lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié! Non, fais pas ça! Joël, allez, lève-toi! Non! Oh la vache! Non! Putain! Va au diable. Je te fais péter! Où ça pique? Putain le pauvre. Putain, s'il finit comme ça, je serais dégoûté quoi. Ils peuvent pas faire ça, j'ai à peine joué avec là. Bon, oh, va faire croire qu'elle a pas servi là. Bon, en même temps, c'était sûr, hein, vu le dernier coup de gaffe qu'elle lui a foutu l'autre.
Enfin, golf, club de golf, on s'est compris quoi. C'est violent quoi, mourir comme ça, putain. Ouais. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renfort. Et Jackson se retrouvera sans protection. Va les laisser s'en tirer comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Putain, Maxi, putain, merde. D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. C'est... Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là? Bah, il a peur. Tu sais quoi? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis. Ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. D'accord. En tout cas, ça va faire mal, je te le dis. Ils vont morfler. Je suis tellement dégoûté. Franchement, sans deck, je suis dégoûté pour lui. En plus, aussitôt dans le jeu, quoi. Les enflures. Je sais pas ce qu'il a fait pour que les autres lui envoient comme ça, mais ça devait être assez important quand même. Je voudrais passer chez lui avant de partir.
J'ai un truc à récupérer. D'accord. J'ai pas pu prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en a plein. Du coup, Marie a verrouillé les écuries. Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. Mais c'est quand même pas mal, ça, là. Chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée est pour qu'on puisse s'éclipser. Je peux y aller, dis-moi ce qu'il te faut. Je vais le faire. Ok. Je vais bien. Viens. Je vais t'attendre ici. Merci. Ténonicus. C'était une bonne journée.
Donc, ça faisait longtemps. Tout va bien? Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux, elle aussi s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Hmm? Ouais. À pied? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Bien sûr. Très bien. Alors partez. Pendant qu'il fait jour. Désinfecté? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. Disons. Waouh. Il s'est passé quoi? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardé. Putain.
Tu m'as battu. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu paumé là? Non, pas du tout. Ouais, fais-moi confiance. Et ces cannibales que vous avez rencontrés, Joël et toi, ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF. Non, je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston? Joël avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ellie, des voitures. Ouais, on touche au but. Faut qu'on fasse gaffe. D'accord. Non, pas que ça claque, hein. La densité, franchement, de la végétation, ils ont fait plutôt assez fort quand même. Bon, le jeu en même temps, il est en 30 images. On n'est pas sur du 4K. En tout cas, native. Là, on est sur l'Epscale, hein, du coup. Je sais pas en quelle résolution il doit être, mais. Ouais, c'est pas trop quand même. Mais en tout cas, c'est pas mal en termes de densité, ils ont fait assez fort. Et, franchement, sur la PS5, mais il va claquer, quoi. Sans déconner. Hein. Waouh. Enfin, j'espère en tout cas. Fasse pas le con. Bon, moi je me suis trompé. Finalement, tu sais exactement où tu vas. Toujours. Oh, comment elle a pu douter, quoi. Eh ben, ça a bien repoussé, donc. Hein. On va plus la route, quoi. Pour ça, tu vois, il y a une fois, je regardais un documentaire sur la disparition, tu vois, l'espèce humaine, tout ça, ce qui se passerait, la végétation qui reprendrait le dessus, enfin, et je repasse. Bon. Ce qui est marrant, c'est que tu vois souvent dans les commentaires, les mecs qui disent « Ouais, mais arrivez pas, les gars, le béton, c'est du béton, hein, il y aura jamais de végétation dessus. Hein. J'ai du béton dans la cour. Il suffit de la poussière qui s'accumule avec le vent, t'as de la terre, t'as la végétation. C'est aussi simple que ça, mortel. » C'est assez ouf, hein, parce que ça fait quoi, ouais, ça va faire 10, ouais, une dizaine d'années que je suis ici, mon appart, 10-12 ans, bon, je sais même plus en quelle année je suis arrivé, mais c'est mortel. Au début, il n'y avait pas d'herbe, hein, comme ça dans la cour, mais l'accumulation de terre avec la poussière et tout, mortel. Maintenant, chaque année, je suis obligé de me faire chier à déblayer 3-4 fois la végétation, hein, qui pose dans la cour, c'est censé être du béton normalement. C'est mortel.
Bon, perso, ça me fait chier de tailler parce que ça fait toujours plaisir de voir un peu de végétation. Mais bon, la proprio n'est pas contente, quoi. Elle préfère sûrement le béton, je sais pas. Cool, la carte. Ah, ça va falloir s'accrocher. Il paraît qu'il y a 300 collectibles. Ça tombe bien, je déteste ça dans les jeux. Cool. J'ai même pas cherché les collectibles qu'il y avait dans le premier The Last. J'ai pas cherché ça dans les BioShock. Et j'en passe. Oh, je déteste ça sans déconner. C'est chiant en fait. Il n'y a pas 36 solutions, généralement faut aller chercher les astuces sur internet et quand on a comme ça, enfin les guides, c'est chiant. Bon, après, tu as d'autres jeux qui la jouent plus intelligemment. Tu finis le jeu, tout ça, tu peux débloquer certaines cartes qui vont t'indiquer, genre comme dans Shadow of the Tomb Raider, qui vont t'indiquer les emplacements. Donc, ça c'est bien, tu t'y rends, tu cherches la petite zone, hop, paf, tu trouves le truc. Ça c'est pas mal, tu vois, faire débloquer des trucs comme ça. Par contre, quand tu dois chercher sans avoir aucune carte, etc., c'est très pénible. Franchement, je déteste ça, c'est une perte de temps. Absolu, sans déconner. Bon, une fois de plus, hein, ça reflète que mon avis. Quelque chose? J'ai trouvé une carte touristique. Bon, c'est déjà ça. Ah, du coup, ça fait penser que j'ai essayé le HDR tout à l'heure, seul au jeu. Bref, ah, franchement, bof bof, hein. Il améliore quasi rien du tout. Tant le HDR sur certains jeux, tu vois une grosse différence, c'est hyper net, hyper propre après, même trop net des fois. Et autant là, tu vois quasi aucune différence, quoi. Bon, après, ça jouera aussi suivant la télé, mais je sais que sur la mienne, généralement, sur certains jeux, t'as un rendu assez ouf. Puis, bah, il y en a d'autres, tu vois pas de différence. Ou alors, c'est le contraire, le rendu est dégueulasse avec la vidéo. Ça m'est arrivé avec Final Fantasy XV, mortel. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup d'effets de couloir quand même. Hein. Bon, ils t'ont mis des petites zones où tu peux genre passer par la gauche, par la droite, par le centre. Mais finalement, ça reste des petites zones assez restreintes. T'as pas vraiment beaucoup d'ouverture. À voir plus tard dans l'aventure s'il y a vraiment des zones plus ouvertes que ça, ce qui pourrait être sympa, quoi. C'est qu'une Uncharted 4, ils avaient fait quelques efforts là-dessus. Tu vois, t'avais certaines zones qui étaient pas mal du tout, comme Madagascar, je crois que c'était, il me semble.
Enfin bref, des zones comme ça où c'était assez ouvert en fait, hein. Tu pouvais prendre un véhicule, aller un peu partout, c'était pas mal. Ça changeait, franchement, c'était cool quoi. J'espère qu'il y aura un peu ça dans celui-ci quoi. Ah, quoique, qui a rien dit. Oh, c'est ça la fameuse ZQ. Ouais, fais gaffe en haut. Cool, j'aime beaucoup les terroirs vides. Non, frère. Le mur est fissuré, c'est-à-dire. Allez, c'est où elle? Bon. Bien. Tu le vois? Ouais. Ouais, c'est bien trop là. Maintenant, il faut trouver comment grimper là-haut. Ouais, du coup, on va stopper là. Petit coup de sauvegarde. Parce que de toute façon, on va approcher les 1 heure à peu de choses près. Et puis bon, comme j'ai réussi à partir la PS4, forcément c'est limité. Donc sur ce, bah, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Une fois de plus, bah, encore désolé, hein, c'est pas du stream en direct. Bah, c'est tous comme ça, hein. Je peux rien y faire, malheureusement. Quand il n'y a pas la co, bah, je suis obligé de passer par ça. Après c'est sûr, c'est pas pareil, ça m'enchante pas, parce que j'aime bien généralement montrer les gens en direct. C'est toujours plaisant de voir un peu les réactions. Mais bon, c'est comme ça. Allez sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.